C'est une grande question que celle-ci et un grand débat qui anime de nombreux youtubeurs depuis maintenant un bon petit moment sur la plateforme. Doit-on faire long ou au contraire faire court? Personnellement, je n'ai pas de préférence pour savoir ce qui est bon ou mauvais. Je pense que les deux ont leurs qualités et leurs défauts. Et que franchement, par instant, je doute moi-même de l'intérêt de choisir entre l'un et l'autre finalement. Et que la seule chose que vous devriez faire dans ce cas, c'est choisir ce qui vous convient. Ce n'est pas une question de « il faut faire long » ou au contraire « il faut faire court ». Cela n'a jamais été le but de l'opération finalement. Car cela demande surtout énormément de travail et de réflexion, et c'est alors que la véritable réflexion autour de la question se met en place. Car c'est vous qui allez devoir bosser sur la forme que ce format court ou long aura. Et alors, c'est dans cette optique que l'on verra si cela a un intérêt d'être court, ou au contraire, si cela doit être long. La seule question pour moi que vous devriez vous poser à partir de ce moment-là, elle est simple. Est-ce que vous tiendriez sur la longueur ? La plateforme YouTube considère qu'à partir du moment où vous faites une vidéo longue, vous bénéficiez d'une pub supplémentaire. Et en soi, cela voudrait vous inciter à faire des longues vidéos, presque uniquement pour cela. Mais ce n'est pas la motivation principale qui devrait vous habiter, car parfois cela ne sert à rien de s'étendre sur un sujet. Mais en même temps, si vous considérez qu'un sujet vaut le coup d'y passer du temps, c'est à partir de là que la longueur devient importante. En réalité, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire autour de cela. Mais une chose est sûre. Encore une fois, ce n'est pas la plateforme et ses modèles qui doivent influencer votre manière de faire et de construire un sujet de vidéo. La seule chose qui doit vous habiter dans ce genre de moment, c'est la passion pour le sujet que vous souhaitez évoquer. La longueur n'est pas la chose la plus importante. Mais en un sens, la petitesse d'un sujet ne l'est pas plus. Finalement, c'est à vous de voir ce qui mettra le mieux en avant un sujet. Et c'est là que le vrai propos de cette question devient évident. Au fond, il ne faut pas trop en faire sur un sujet, sauf si celui-ci en vaut le coup. Et que vous souhaitiez mettre en avant des choses qui demandent de prendre du temps et de construire un développement et une manière de faire qui joue avec vous et avec votre ambition de créateur. En tant que youtubeur, je n'ai jamais considéré la longueur comme étant une priorité. Je me suis toujours dit que pour donner envie de voir un film, il fallait surtout aller à l'essentiel. Mais cela dépend aussi de comment vous souhaitez en parler et de comment vous souhaitez mettre en avant ce qui est important selon vous. Et à partir de là, libre choix à vous de construire quelque chose de compliqué et de dense, et donc de long, ou de simple et de complet, et donc de court. Après cela, il faudra se pencher sur un autre détail. Est-ce qu'on doit être plutôt dynamique ou didactique dans une vidéo ?